Donc, le premier que je vais parler, c'est spécifique en glucides. Et donc, c'est basé sur l'idée que la complexité des glucides, qui sont des longues chaînes de sucre qui ne sont pas bien absorbées, qui augmentent qui peuvent endommager l'intestin. Donc, ceux qui ont des longues chaînes de sucre, incluent ceux qui sont sur les aliments non autorisés, les cannes, les fruits, légumes, conserves, féculents, lait, yogourt, sirop d'érable, sucre, grains, jus soda, vin doux. Donc, la science supporte ça, c'est très peu. On a des petits groupes d'essais qui ont vérifié cette diète et que d'interpréter ces résultats fait que c'est un petit peu plus difficile. Et il n'y a pas eu d'études à long terme encore à date. Comme vous pouvez voir aussi, il y a une longue liste des nourritures n'a pas permis. Et c'est important à noter parce que les déficiences nutritionnelles peuvent arriver si on exclut les grands groupes de nourriture. Donc, dans cette liste, et en particulier, on veut savoir et s'assurer que le laitier est exclu et ça peut augmenter les déficiences en vitamine D et limiter de verre des vitamine A, vitamine E, vitamine C et les déficiences. Une autre chose intéressante, c'est qu'une des études ont démontré que 33 % des gens qui ont perdu du poids suivant ce régime. Et donc, c'est important de considérer parce que plusieurs individus avec MII ont déjà de la difficulté à maintenir le poids. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'ils puissent suivre une diète stricte qui va causer plus de perte de poids. Lorsqu'on regarde pour les différentes études qui se passent présentement, qui vont regarder les glucides en particulier, bon, le DINE-CD, et ça va être suivre les diètes à glucides contre la diète méditerranéenne et lorsqu'on regarde pour réduire les symptômes et l'inflammation dans la maladie du Crohn. Et donc, il y a une autre étude qui continue, le PRODUCE Study, et c'est une étude qui regarde vers l'avant et qui va comparer l'efficacité d'une diète très spécifique en glucides versus une diète modifiée en glucides pour réduire l'inflammation et les symptômes dans les cas de pédiatrie de cas MI. À présent, nous n'avons pas des grandes preuves pour supporter les diètes spécifiques en glucides, mais c'est un lieu en intérêt et c'est des études qui suivent. Donc, je vais être intéressé de continuer de vérifier ces résultats au fur et à mesure qu'ils sortent.